the century! Fight! The fight is underway. We can be two challengers. We'll walk away. Where did that come from? Sur sa combi. Akuma wins. C'est la mienne. And the world's most extreme fighting tournament. Who will walk away victorious? Moi j'ai vu des Gatlines, des gros pieds et un Sco qui gère pour le moment le round. Il faut que je parle pour qu'il meure grâce au saving ultra.
round. Le moyen point, gros point, Gatling dans la garde. Le petit point, Clamper, qui en fait le moyen pied de Sko. Elle tient dans le versal, à la relève. Avec les lights, casse le counter. Comme dans le vent, un long gros point qui casse la baguette. Hurricane Dash cancel. Il y a garde qui passe pas grâce à la charrière de Sko. Gros pied dans la garde. Et le bug qui slash off qui offre à Kimoko Han son premier match. C'est parti. On s'attaque avec la boule dans les airs de Sko. Il aime les gros coups de pied. Ça touche là, je sais pas pourquoi, mais ça touche. Avec la chope. Au passage, Rookie a les pieds bronzés, mais pas le corps. Voilà, ça touche ça. Ça va rien que Rookie a les pieds bronzés. Ouais. Sous gros pied, bas gros point, Tatsu, Shoryuken. Bon, dans ce jeu-là, le stun ne sert complètement à rien. Il damagerait du skia, contre-chop, pas moyen pied. Et gros pied pour empêcher le dug de Kimoko Han. Regarde-moi ça. T'as vu ? Il s'est huilé les jambes. Allez, deuxième round. Allez, Shoryuken. À la relevée. Du côté de Kimoko Han qui se fait punir contre Chop. Avec Boudon, il a pris ses propres combos, le moyen petit Tatsu Shoryuken. Une petite combo fantastique, comme il dit la console. Oula, Demon Seed Process qui se en scène. Et un combo après le saving. Ça arrive, ouais. Allez, un partout entre Sko et Kimoko Han. Avec les boules, la baguette sur le saving, du coup il faut au sol, il rechoppe le bouclier, la baguette, le tatsu, trans cross up avec la baguette, contre chop, Demon Seed qui touche avec le combo, tatsu, Shoryuken en 3 hits, cross up light et la chop. Allez, prochain round, c'est parti.
Au moment sa zone, hein. Des balayettes et des bouts dans les airs. Toxic Crossover, balayette du combo. Demon Flip, pardon. Pied avec la chope derrière. Ouais, d'un moyen fait pour empêcher le counter de Kimokoan. Et Kimokoan qui se fait complètement gérer par Xco. Et le gros pied pour l'empêcher de duck. Et Xco qui remporte assez facilement ce match-là. Contrôle C. Merci. Il faut que tu lâches un peu le bouton là. Allez, Xco qui remporte. Ensuite, c'est Gagapa contre Bunny WWW Scrub. Allez, un petit lap test, hein, bien sûr. Ouais, ça peut être sympa. Premier round, c'est parti. Du lap test.
Allez, premier match, c'est parti. Allez, premier round, on se joue une nuque, gaga. Allez, ça fait des petits coups dans le vent. Allez, avec le tornado dans la garde. C'est gros point, 26.6 heures kick, 26.6 heures. On passe moyen pied en counter. Ok. Point en counter, le téléport arrière au cas où il y aurait un Messia X. Allez, gros pied. Bien joué là, la chop. Le Messia X, notre allait. Et le combo gratos ultra. Il n'y a pas. Ouais, le coup X qui est passé. Megumi qui garde l'avantage au niveau de la barre de vie. Qui peut bourrer des messias. Et le cancellé. Grâce à ces deux barres de X. Ouh, bah, gros point qui touche. Ah, il a fait le messia. Il a fait qu'il bourre le messia. Et il a bourré le messia. Et ça passe. Allez, saut gros point. Saut gros pied sur place. Trouve dans la garde. Light. Voilà, il est avec les ciseaux. Cross up, moyen pied. Saving qui s'est cassé grâce au light de 2 minutes. Saut gros pied, fin de cross up avec les light. 3 décalage, 6 heures kick. 6 heures kick. Messia, fallait s'y attendre. Deuxième Messia. Trop de combo. Ça c'était genre, hein. Donc, en juste, du coup, laissez chauffer là le Gagapa. Gagapa qui a l'avantage pour le moment. On fait un petit saut, c'est sexy tout ça. Contre chop. Gros pied. Côté taux qui touche. Left kick. Torche, gratte. Et Gagapa qui remporte son round. Il a le setup, mais il a eu la garde là, le demi. Et il a eu le Messia, facile aussi. Moyen qui est gros pied. Left kick, low kick, gros point. Côté tôt. Left kick, c'est piqué. La chope. Bien joué, le 13 là qui permet de partir du coin. La chope dans le vent fois 2. Et le moyen point ultra, que je pense, vont conclure ce round. Même pas. Bonique à 4 barres de Hex et ultra, ça peut faire toute la différence. Il le toucherait s'il le touche une fois, mais non, faut pas rêver.
fighters have assembled from around the world to join in the fight. But only one can be declared the best. Unknown, secret laboratory. Your destiny will be determined here. Let's get started. Fight! Allez, premier round, c'est parti. Ce deuxième match. Gros point counter, gros pied de moyen point, avec le ciseau, ça fait combo, et avec la phase qu'on connaît tous. Quand il n'y a pas ce qu'il faut sortir du coin, c'est qu'il veut faire le S3 sans toucher, pour pas jouer. Et là, il s'est ramassé. Le gros coup de Bouni qui se mettra. Dommage, Bouni qui a frappé Dead Kick en cross-up. Pick up the pace! Fight! Ah, ça, c'est balaye, c'est avec lui. Gros point counter avec gros pied, wow. Gros point. Gros point counter, gros point. Moyen point. Les deux qui ont touché, voilà, super. Gros point, balaye. Go. Mechia. Les portes arrière, ça suffit pour éviter ce danger là. Et pour une combo, permettre à Gagapa de passer au prochain stage. The fight!
battle has begun! Fight! Yeah!
location. The battle has begun. Fight! First hit, the scales have tipped. The fight is finally begun. Which one rush? Alors ensuite c'est Richemont contre Lord DVD. J'ai pas mal de prix dans le même. Apparemment il est bien là. Alors, Richemont X, où te caches-tu? Ok, cool. Like this, it will to team. Survival of the fittest on a global scale. Who among the challengers will make it to the top? Evade, old heaven. Your destiny will be determined here. Allez, un petit lag test. Petit truc funky. Who will emerge a champion? Fight! So the first pick has been recorded. What power? I can't believe it!
the last round. Fight! Allez. Lord DVD contre Richemont, ça commence tout de suite maintenant, right now. Là, demain, on fera les loser bracket off stream. Allez, première ronde, c'est parti! Ouais, ça finit apparemment. Allez, ça va être chaud pour leur DVD, parce que pour ce booster apparemment c'est pas gagné. Bah là, avec mi-main. Son moyen point, mi-main. Avec le petit QX, va petit pied, avec la chop spé. Coup de cul en cross-up, pas cross-up, toi même tu sais. Cross-up moyen pied, balaïque, avec les mi-mains, plus le coup de QX. Et le Jaguar, Raising Jaguar de Honda. Allez, deuxième round avec une grosse pêche, double contact, le Souillec, non, c'est pas fini le Souillec, c'est le Tibia, qu'est-ce qu'il y a, n'avance pas. Le Tibia qui se fait casser par le gros coup de pied de Richmond. La petite pointe de main. Double contact. Le Tibia. Non, ouais, les mille mains dash cancel, chop spécial. Ouais, ouais, il a pas fait de coup de QX. Mais Richemont a fait un headbutt, un headbutt X dans le coin. Lors DVD a pu gratter quelques coups. Là, il a l'avantage. Il reste 18 secondes. S'il continue comme ça, lors DVD à la rigueur, il pourra même gagner au same up. Mais non, bah, petit point, mille mains. Au pire, c'était la gratte. Alors DVD, commande, à source, Richemont, commande. Hein? Ah mais oui, il a marqué.
comme dirait leur DVD, let's burn it up. Allez, c'est parti. Goku dans la garde. La zone. Là, je serai dans la garde. Goku qui touche pas. Pour ok, light light. On va lui être dans la garde. Sinon, qui essaye un maximum de garder ses distances lorsqu'il se fait attaquer. Pas le corps à corps, le saving qui se donne, choc spécial, la petite main de main. Ça fait des lâches très bien secs. Là il le casse avec le bas de souffle, mille main, lâche cancel, lâche off, on la connaît sa phase, mais ça passe quand même. Avec trop très poignard, le bas de souffle, mille main dans la garde. Oui, il a préféré attendre que Yorin dash très ou un bourrage. Elle a avantage pour leur DVD. Pas grâce avec les mille mains. Il reste 15 secondes. L'overhead passe pas, on dash très et il sait punir. Allez, deuxième round. Le coup de Tiga. Le coup dans la garde. Ouh, c'était quoi ce coup là? C'est bien sexy ce coup. Allez, dash 13, finition avec ça. Tiga, et là il y a les mille mains croisées qui touchent, 14 combos. Tiga, t'avances pas. Tu fous, tu sautes pas. Allez, c'est compliqué pour Richmonks. Bien joué grâce au bat, petit point, il a empêché Richmonks de choper, mais là, headbutt ultra, ça paye quand ça passe. Double contact, reste de life. Le deux scouilles qui passe par l'antichamp qui se fait casser et qui offre à Richmond un combo pour gagner ce round. Allez, troisième round. C'est le dernier. Allez, de life, la life, une main, ça gratte un tout petit peu. Le 3X, les gaffe contre Dawn. Turnover, mais non, Goku, EX, fais gaffe, tu vas prêter tes turnover. Ce gros que dans la garde, la charrière pour éviter le bas moyen et le pressing. Et là, Goku, EX, fais gaffe, turnover, et la chop spear en reversal. Quand ce point à pied, la petite pointe de main, pas grave. La petite pointe de main, pas fini. Allez, Richmond. Hey, gros point, counter. T'approches pas. Ok, Dak.
arrive offline. C'est du lock test, hein. Bon, il va être en mode fury, ça. En mode rage. Au début, il n'y avait pas autant de temps. Plus c'est de monde, plus c'est du décalage. Ah, mais après, ça prend en compte. Peace! Peace!
Ok, bon. Pour le moment, Sko qui gère très bien son premier round. Ismaël qui se fait maîtriser complètement, mais là qui bourra un bon chariot réversal. Ismaël qui a son différent stock. Cross-up Demon qui est très bien joué Sko là. Sko parfaitement hein, attends, mais la bonne opportunité pour attaquer. Casse le chariot ça. On va donner triple à nous. Non, il a sauté. Il a sauté. Mais parce que moi j'ai un moniteur qui me permet de voir les replays avant tout le monde. Allez, Valier est encore sur attaque. Sur Yuken qui casse le Demon Slip. Il a fait des portes, bien joué. Ouais, d'accord. Slide, slide. Décalage avant gros point. Process, slide, slide. Dans moyen point, ok. C'est bien joué. Le mur défensif, chaque touche sur saving, très bon réflexe. Contre échop, sur sa boule, le broquet, sur Yuken. Et combo. Plus combo léance, toutes mes combo léance. Ah ouais, quand même. Ah là, ça me refroidit direct. Ok. Ok. Allez, 1-0 pour Sko. Hein? Ouais, il n'y a pas perdu contre DVD. Moi contre ce sac d'Ultraiox. Allez, première round. Il se met qui a changé de couleur de costume, on dirait. Il va être dans la garde. Le gros point, va light. Le gros point, il a loupé le combo là, il se met le maï. Valier, elle s'approche pas avec tes pieds. Allez, moi tu te crosses, light, light. Valier dans la garde. Ouais, ça presse et ça chope. Cross-up light et ça brûle, Shoryu. À part là, c'est logique, du coup, il se met le maï. Après les cross-up, attaquer toujours. Mais là, ça paye quand même pour lui. Combo Tatsuex dans le coin. Sur la course attaque, life, life. Bah, life, un petit point, vraiment un petit adoken. Ah, il a loupé le combo. Ça fait qu'il a fait un tatou dans le vent et Sko a mal puni alors qu'il avait l'ultra en stock. Shoryuken, je vais pas cross-up. Téléport. Ok, ça en bas le point, du coup ça chope. C'est pas mal. Ça pour les Shoryu, les gars. La bourre. Et ça déchope. Balayette. Ça déchope bien. On a même façon d'attaquer. Mais oui, tout à l'heure il nous l'a refait. Il a refait tout à l'heure, il a fait la même phase. Pour ça, Sulek, Demon Flip et bam, Shoryu, qu'est-ce qu'il y a? Ah là là, faut varier, faut varier. On va avoir le temps d'analyser le jeu de l'adversaire, même si c'est pas évident. Allez, un partout.
comes with being declared the world's greatest fighter. Africa, solar eclipse. Fight locale chosen.